Le lot numéro 41, il s'appelle Tango et nous vient du geek Lagrafeuille-Puech en Corrèze. Il est hétérozygote sans corne. Alors attention, c'est un jeune veau, mesdames, messieurs, puisqu'il est né le 17 mars 2022. C'est un fils Népabo. Népabo, c'était un taureau de chez Lagrafeuille-Puech avec derrière des origines Léniac. Et on trouve même des origines Casimir de chez Anna Hilaire. Népabo, c'est un gros mix de viande et son fils Tango lui ressemble. Un animal très éclairé, racé, fin d'os, avec une belle arrière-main. La mère Josie, elle est sans corne. Et derrière, on trouve le taureau d'insémination Tigris, qui a marqué la génétique sans corne au sein de KBS, mais également de la race Limousine. Il est né à 41 kg, c'est un taureau bêlage facile, Tango, et il faisait plus de 308 kg au sevrage. Un très joli mix de viande, bêlage facile, fin d'os avec un très bon quartier arrière.